Salut à tous l'équipe, c'est Mathis Pokémon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo vlog, comme j'avais pu vous en parler justement dans le dernier vlog, il y a des nouveautés qui vont arriver justement là en cette fin de semaine. Donc normalement c'est du côté de King Jouet, enfin de Jouet Club, excusez-moi, on devrait avoir justement un nouveau coffret et potentiellement d'autres nouveautés. Et notamment un duo pack apparemment qui pourrait être différent de Tempête Argentée et Évolution Céleste. Donc on va aller vérifier ça. Comme ça, justement, ne serait-ce que par rapport au coffret, ça va nous permettre de voir un petit peu justement les boosters qu'il y a à l'intérieur, si justement c'est intéressant ou pas. Donc voilà, ça va être un petit peu le thème de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire pour me faire un retour par rapport à la vidéo, pour le référencement, pour tout ça. Forcément, ça va m'aider. Le petit abonnement pour ne rien louper avec la petite cloche. Et puis, en plus, ça va vous permettre justement de participer au concours pour gagner l'ETB Destinée Radieuse. Donc, vu qu'être abonné, ça fait partie d'une des conditions. Le post est sur Instagram, n'hésitez pas à aller checker et puis à participer. Et puis, moi, je vous reprends directement quand je suis justement dans les enseignes. Et puis, comme ça, on check tout ça, on ouvre le nouveau coffret. Et puis, comme ça, on voit pour les nouveautés. C'est parti, let's go, l'équipe! A few moments later. Bon allez, c'est parti, let's go l'équipe. Là on est dans le centre commercial. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Micromania dans un premier temps. Normalement on devrait pas avoir forcément des choses ultra intéressantes, mais on va voir ça. Et puis c'est parti, let's go, comme ça on continue après. Bon du coup l'équipe, là je viens de sortir de Micromania. Rien de bien intéressant à Micromania. Il y a par contre, comme je vous avais dit, hein, là il va y avoir un petit peu de restock. Eux ils avaient de l'ETB Pokémon Go, donc et elle me disait que normalement ils devaient recevoir un petit peu d'autres produits justement d'épée bouclier. Donc franchement pour tous ceux qui n'ont pas réussi forcément à avoir différents items et tout, il y a épée bouclier, il y a de grandes chances que vous puissiez les trouver justement très prochainement avant EV12.5 ou avant Écarlate et Violet. Là j'arrive à King Jouet qui ne sont plus en inventaire, et puis comme ça je vois et je prends les infos et je vous dis tout ça. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, super. Bonne année, je crois pas qu'on se soit vu. Je pense pas, bonne année. Bah ouais, vous étiez en inventaire là du coup? Hier, ouais. Ouais. Attends. On est quoi là? Si, je crois que c'est ça. Mercredi. Mercredi, ouais, je crois que c'est ça, ok. Vous avez pas reçu forcément de Pokémon là? Ah, pas du tout. Ouais, pas rien. Livré la semaine prochaine. Pas livré la semaine prochaine non plus? Pas livré la semaine prochaine. Donc là, avant 2 semaines, il n'y aura pas. Je crois que c'est le 17, le prochain lundi qui va arriver. 17 janvier? Le 16. Ok. Mais on sait pas, on n'a pas de date. Ouais, ça se trouve, ce sera peut-être même encore la semaine du jour. Ok, bon, voilà. Je vais juste montrer un petit peu ce qu'il y a. Bon, on voit que Noël est passé parce qu'il n'y a plus grand-chose dans les rayons. Tac. Ah ouais, là, franchement, hop. Non, ok, bon, merci beaucoup en tout cas. Mais de rien. À la prochaine, logiquement, sûrement d'ici 2 semaines du coup. Oui, dans 2 semaines. À la prochaine, bon courage. Salut bon, l'équipe. Tout le monde. On croise le petit Adosan, un Rennais qui est aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas à suivre l'équipe, n'hésitez pas. Hop, bon, on arrive au niveau de la Fnac, en règle générale, en ce moment c'est pas foufou la Fnac. J'ai l'impression qu'il y a des enseignes qui reçoivent plus facilement que d'autres. Bah ouais, on a toujours rien du tout à la Fnac, bon, je vous montre pas les rayons, ça sert pas à grand chose, mais ouais, donc là, comme je vous disais dans le vlog, on va aller voir, mais normalement Jouet Club devrait avoir reçu les nouveaux coffrets. Et ça automatiquement ça fait un petit peu la diff, on va aller checker ça exactement pour savoir justement qu'est-ce qu'on a comme booster. Mais franchement ça a l'air d'être plutôt pas mal, donc on va aller checker ça. Normalement des nouveaux duo packs, est-ce que avec des nouveaux boosters pareil, on va les checker. Donc pour le moment rien de foufou, un petit peu de restock à Micromania, rien à la Fnac qui nous jouait pareil. Donc c'est parti, je continue. De toute façon là je pense que je vais faire Jouet Club et derrière je vais à la Carrefour, histoire justement de tout statuer, on aura un bon ordre d'idées et puis comme ça, comme d'habitude, vous saurez un petit peu ce qu'il y a dans les rayons. C'est parti l'équipe. Hop, juste petite info, parce que là du coup je viens de parler avec la personne de la Fnac. Concrètement, il y a de grandes possibilités qu'ils reçoivent du Zenith Suprême un petit peu en avant, parce qu'au niveau des dates, justement, elle a été regardée sur son ordinateur et normalement les dates devraient être un petit peu avant celles qui sont annoncées. Donc n'hésitez pas justement. Si vous avez des Fnac par chez vous dans les prochaines semaines, il y a de grandes chances justement qu'ils en reçoivent. Donc je continue au niveau du club où normalement on devrait trouver la petite pépite et puis c'est parti, on continue l'équipe. Let's go Jouet Club, normalement on devrait trouver la petite pépite. Bon du coup c'est ça. Voilà. Les petits coffrets. Et oui, du coup, vous avez reçu les duo packs également. Exactement. Bon c'est super. C'est ce que je vous disais au téléphone. Ouais. Le coffret électrode de Chichoui et puis les packs.
Ok. C'est tout. D'accord. Bon, bah, je vais vous montrer ça. Bon, non, mais c'est déjà plutôt cool. En ce moment, il n'y a pas grand chose de toute façon. Donc, on va dire qu'on se satisfait un petit peu de ce qu'il y a. Et petite question, je vois que les coffrets sont à 26,99. Avant, ils étaient plutôt aux alentours des 24,99. C'est dû à l'augmentation des coûts. Ok, ok. Bah, on s'y attendait, mais c'est vrai que pour l'instant, on ne l'avait pas encore vu. Et petite question du coup, est-ce que vous avez une information? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, au niveau des duopacks ici, donc les duopacks Tempête Argentée et Évolution Céleste, en fait, nous, on avait eu un retour comme quoi ça devait être des Stars Étincelantes et Évolution Céleste. Voilà. Et vous aussi, alors, c'était la même chose, mais alors, au niveau des visuels? Normalement, c'était censé plus ou moins être ça. Ouais. Et alors après, on n'a pas eu plus d'infos non plus. Hein. C'est vraiment... c'était... Vous dites peut-être qu'il y aura une deuxième, un deuxième duopack peut-être. En fait, on ne sait même pas. Ah, vous savez pas. En fait, on ne sait même pas. Ah, mais je me suis dit au cas où, je préférais vous demander. Au départ, on a eu ces infos-là. On nous a dit qu'il y aura ça et ça à l'intérieur du coffret. On les a reçus et visiblement, ça ne l'était pas. C'est pas le cas. Ouais. C'est non, pas mais le cas. Entre-temps, alors après, peut-être qu'on a eu d'autres collègues aussi qui ont eu d'autres infos et moi, je n'ai pas forcément été au courant. Pour le moment. Ouais, non, mais je pense, voilà, surtout, je pense que ça devrait être que ça. On a surtout constaté que voilà, on a reçu nos colis. Bah, c'était c'est ouais, laissé là-dedans. Non, mais on sait très bien, bon. C'est pas du tout de votre sort. Et moi, pour tout vous dire, bah, j'ai dû vous dire, moi ouais, j'ai ouais. mon partenaire Carte Plus qui lui, bah, forcément, a pas mal d'infos aussi. Et il m'avait dit, bah, c'est un petit peu la contrainte d'Asmodée, c'est qu'il s'amuse un petit peu à mettre des visuels plutôt sympas et où de temps en temps, bah, la finalité n'est pas la même. C'est ça. Donc, bon, alors, c'est pas grave, on va partir déjà là-dessus. Bon, du coup, l'équipe, c'est bien bon. J'ai pu récupérer le petit coffret, le nouveau coffret. Concrètement, j'ai pas eu le temps de regarder exactement au niveau des boosters. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, de toute façon, on va s'ouvrir à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, petite ouverture histoire de kiffer et puis de vous donner les petites infos que j'ai pu avoir. Parce que j'ai parlé pas mal avec la personne de Jouer Club. Comme vous avez pu le voir, il y aura une augmentation de prix. Carte Plus, vous en avez parlé, mais là du coup bah, c'est réel en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais du coup bah, c'est bien le cas. Donc je vais à Carrefour là pour justement voir si on n'a pas des petites nouveautés ou encore par rapport au duopack, parce que je vous cache pas qu'en fait je veux être sûr. Je veux être sûr, j'ai pas envie de qu'on me dise hey, tiens, il y a un duopack qui vient de pop là à droite et à gauche et c'est du EB7 et EB9. Donc je vais aller voir, comme ça on valide tout ça, on se fait la petite ouverture en fin de vlog. Et puis bah, voilà, comme ça je vous aurai montré un petit peu les petites nouveautés de la semaine. Et c'est vrai qu'en ce moment c'est calme hein, les gars, donc comme je vous disais, faudra pas s'étonner. Les seules petites choses intéressantes qu'on va pouvoir avoir dans les prochaines semaines, ça va être un petit peu du restock. Donc de toute façon on en parle pendant l'ouverture. C'est parti les gars, l'équipe, à toutes. A few moments later. Bon, du coup, l'équipe, on se retrouve au niveau de Carrefour. Je vais juste aller voir justement s'il y a les duopacks et vérifier si, bah, que ce soit bien les duopacks qu'on voit un petit peu partout. J'ai pas l'impression de les voir. De toute façon, je regarde ça, je fais en sorte de faire un petit check-up. Et si jamais il n'y a rien, je vais aller voir justement la personne qui s'occupe de ça en rayon. Et puis, je vous tiens informé dans tous les cas. Mais là, ouais, c'était. C'est encore vide. Encore. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, ouais, je prends les infos et puis je vous tiens au courant. Sinon, de toute façon, bah, let's go pour l'ouverture du petit coffret. Et comme ça, on voit tout ça ensemble. Donc, c'est parti, let's go, l'équipe. Ouais, et les gars, je viens de voir là avec la personne qui était dans les rayons jouets. En fait, c'est logique, entre guillemets, que tous les carrefours ne sortent pas en même temps les duopacks, enfin bref, tout ce qui est lié à Pokémon. Parce qu'apparemment, là, ça a pas mal changé depuis un petit moment. Avant, c'était toujours. Enfin, c'était. Tous les carrefours appartenaient plus ou moins à la même personne. Et là, apparemment, ça a bougé. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça, en fait, c'est pas géré par les mêmes personnes. D'où. Le fait que bah, ils ne reçoivent pas au même moment que moi par exemple j'ai deux carrefours, il y en a un à Rennes, un à Cesson. Il y a eu le carrefour de Cesson qui a reçu les duopacks et ça fait déjà quasiment 10 jours, une bonne semaine qu'ils les ont reçus. Donc ouais, forcément ça va avoir un impact. Et si vous avez plusieurs carrefours à côté de chez vous, bah, c'est pas parce que l'un les a reçus que l'autre va forcément le recevoir ou inversement. Donc bah, n'hésitez pas à checker et il y a de grandes chances que du coup bah, un carrefour est reçu et pas forcément l'autre. Donc voilà, petit tip, c'est comme ça que vous ne soyez pas surpris, parce que moi je vous cache pas que je savais pas du tout. C'est parti, let's go, on se retrouve directement donc à domicile pour la petite ouverture en espérant de la petite pépite. A few moments later. Gros l'équipe, donc du coup on est bien à mon domicile avec le petit coffret électrode B. Donc concrètement ce que je vais faire, c'est que je déballe, on voit ensemble comme ça au niveau des boosters, etc.
Et puis, bah, on fait le déballage, on voit exactement l'ouverture, et puis on voit si du coup ça peut être intéressant à ouvrir ou pas. C'est parti, let's go l'équipe. A few moments later. Hop, du coup, on se retrouve pour la petite ouverture. Donc ça, c'est le code pour vous. Donc franchement, alors j'avais pas vu parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'avais les deux boosters, ils s'étaient collés comme ça, et donc je voyais pas en fait ce qu'il y avait derrière. Et donc en vrai, c'est alors juste, on a les deux petites cartes promo ici que je vais sliver juste après. Bon, concrètement, Electrode, avec la petite jumbo, c'est un Pokémon qui est plutôt assez apprécié, mais honnêtement, moi, c'est pas les Pokémon que je kiffe de fou, quoi. Et ce que je vous disais, ouais, c'est que du coup, les boosters, je crois que c'était comme ça. C'était comme ça au niveau du coffret. Et donc, du coup, en fait, on voyait pas exactement ce qu'il y avait derrière. Donc, comme ça, au moins, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On a deux origines perdues. Un point de fusion et un star étincelant. Donc, pourquoi. Ouais, je sais pas, j'allais dire. Donc, concrètement, moi, le point de fusion, c'est celui que j'apprécie le moins. Mais au final, moi, j'aime bien le point de fusion. Je sais qu'il y en a qui vont pas trop trop kiffer. Mais, boost. Enfin, on va dire des boosters qui sont plutôt corrects. Pour ce coffret, je crois qu'on a eu un code noir. Je me suis spoilé. Mais, on va regarder ensemble, ouais. Tac. Et donc, franchement, on va dire un coffret avec des boosters plutôt corrects. Là où, honnêtement, je pense pas qu'en termes de scellé soit hyper intéressant, c'est qu'en fait là à l'heure actuelle, j'ai un coffret Electrode V, vous allez avoir des promos en X quantité, hop, juste baisser un peu ça, en X quantité, c'est pas très intéressant, concrètement vous n'allez pas réussir à trop les vendre, à moins que vous les vendiez à 1 euro, 1 euro ou 2 euros pièce à peine quoi. Oh, je croyais que ça, en plus sur le bord j'avais l'impression de voir de, je croyais que ça accrochait, bon une petite holographique, c'est pas très grave. Mais c'est toujours ça de prix. Hop. Et ces coffrets-là, moi, je les ai trouvés à Jouet Club. Je crois que leur date de sortie, elle est un petit peu plus tard. Je crois ne pas vous dire de bêtises en vous disant que Carte Plus devrait en recevoir. Et puis en plus, là, vous avez vu, ils sont un petit peu plus chers. Ils sont à 26,99. Donc du coup, la personne me disait, bah ouais, forcément, augmentation des coûts. Carte Plus nous l'avait dit hein, dans la vidéo Info Hebdo. Augmentation des coûts de production. Donc bah forcément, il faut qu'ils récupèrent leur marge. Et bah forcément, les personnes qui font que en gros, ils vont pouvoir récupérer leur marge, ça va être nous, comme d'habitude. Oh, magnifique, je l'ai même pas. Refait. Ah, je suis trop content. Et un petit pour en holographique. Ok, bon bah pour l'instant, on a une petite ouverture de coffret qui est plutôt sympa. Et j'étais en train de me dire, il faut vraiment que je gère les comment ça s'appelle, mes lumières. J'ai l'impression que je suis roux, bordel. Je suis pas roux, hein, les gars. Alors, j'ai rien contre les roux, hein, mais je suis pas fan d'une barbe rousse, quoi. Magnifique, un petit reflex. Bon, si on pouvait avoir un gros hit sur du Star Étincelant, ce serait juste magnifique. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Si on peut avoir déjà 2 hits, ce serait sympa. Un petit point de fusion ou... Si on peut, je peux le faire comme ça parce que là, point de fusion, on s'en fout. Code, il n'y a pas de code, code noir, code blanc, c'est toujours code noir. Hop, 1, 2, 3, 4. J'espère qu'on va voir aller au moins un gros hit, s'il vous plaît. Pas juste un reflex, ça. Mais franchement, je pense, si vous voulez absolument ouvrir, vous faire plaisir, etc., c'est un coffret qui peut être pas mal. Si après, vous êtes vraiment dans une logique de faire attention à votre argent, sachant qu'il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont arriver aussi prochainement. Avec la nouvelle série qui va conclure, qui va clôturer le bloc épée et bouclier avec écarlate et violet, le nouveau bloc qui va arriver juste après. Donc franchement, pour tous ceux qui font un petit peu attention à leurs dépenses, j'aurais tendance à vous dire de pas lâcher, honnêtement, parce que c'est pas un coffret qui va changer la donne, on va dire. En termes de hit, il faudra avoir vraiment de la chance pour vraiment sortir ce qu'il faut. Donc, ouh, énergie feu! Yes! Je vais me faire niquer, mais si on peut avoir un petit drac, avec grand plaisir. Et bon, première, deuxième, tac. Et donc, ouais, franchement, c'est des coffrets qui vont être assez appréciables. Mais franchement, encore une fois, hein, si vous devez faire attention à votre argent, vous préférez attendre, achetez surtout pas. Hein. C'est pas des choses qui vont être hyper, hyper intéressantes. Ah non, c'est une reverse simple, je crois que c'était une radieuse. Bah non, il n'y a pas de radieuse, non. Et on n'aura rien. Bon, bah on aurait eu qu'une petite. Bon, on aurait eu les deux promos plus la petite TG. Donc rien d'exceptionnel. Concrètement, je vais pas vous mentir, c'est un petit peu ce qui faisait que je m'attendais très fortement à ce que ça se passe comme ça. Vous savez quoi? On va se faire un petit duo pack en même temps. J'ai envie d'ouvrir. J'ai envie de me faire plaisir. Petit duo pack évolution céleste et tempête argentée.
J'ai envie de me faire plaisir en ce moment parce que c'est vrai que c'est relativement calme. On va pas se mentir. Franchement, c'est très très calme. Et moi, j'aime bien quand il y a pas mal de choix. Et là, en ce moment, c'est chiant parce que, bah, vous voyez, pour une personne comme moi qui, mine de rien, ouvre quand même pas mal, bah, en fait, on est vite restreint et c'est vite relou. C'est vite relou. Et moi, je trouve que du coup, bah, soit pour prendre des anciennes séries qu'on peut retrouver à bon prix, ou alors, bah, faut attendre, quoi. Je vous cache pas, je pense que vous avez un petit peu compris. Je suis pas quelqu'un de très patient. Je déteste ça. Oula, oh, la carte, à mon avis, on va rien avoir dessus. Enfin, du moins, j'espère que ça va pas être une dinguerie. Hop, Aeromite, Marc, Lantern, Sony Strain, Maskylan, Sucroquin, Vorastery, Quadrock, Fel Inferno. Ok. Et pour le petit évolution céleste, si concrètement on a quelque chose là-dedans, ça me va très bien. Mais ouais, donc du opaque en ce moment, il y en a. Du comment ça s'appelle, hop, ça c'est pour vous. Un petit peu de restock évolution céleste, comme j'avais pu vous le dire dans la précédente vidéo sous blister. Il y a pas mal de choses qui vont revenir, hein. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Et honnêtement, je trouve que moi, le bloc épais bouclier est plutôt, franchement, pas mal du tout. Hein. Quand on voit toutes les séries banger qui sont sorties, quand on voit EB12.5 qui va arriver, franchement, à mon avis, les gars, ça va être un peu la merde. Hein. Au retour de EB12.5, on va attendre de connaître un petit peu plus les... Oh. Bon, j'aurais pas dû l'ouvrir, c'est pas grave, on va pas aller plus loin. Mais ouais, attendez d'avoir un retour sur les quantités. Mais si les quantités sont restreintes, ça va peut-être être problématique. On verra ça exactement, on en reparlera de toute façon. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous permettre de connaître un petit peu mieux le contenu justement de ce nouveau coffret, savoir si ça peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire pour me faire un tour par rapport à la vidéo, dire si vous avez apprécié. Et puis, n'oubliez surtout pas le petit abonnement. On vient de passer les 2000 d'ailleurs, et un gros merci, vous êtes juste les boss. Et puis, bah, forcément, plus on va avancer et plus je pourrai mettre des choses en place. Donc, n'hésitez surtout pas. Il y a les concours aussi sur Insta. Donc, voilà. N'hésitez pas. Faites-vous kiffer. Passez une bonne fin de journée. C'était tout. C'était Baptiste Pokémon. Bye bye, l'équipe.